pour construire. Et comme il dit dans sa parole, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Hein? Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc nous devons prendre garde et pour savoir de quelle manière nous voulons bâtir sur ce fondement qui a été déjà posé par nos bien-aimés et d'amour apôtres de Jésus-Christ, nos frères, les colonnes qui se sont déjà, comment dire, qui sont déjà au repos dans le sein d'Abraham. Ils attendent de voir celui que nous verrons tous. Alors, ils ne le verront pas encore. D'accord? Alors, pour les gens qui disent quand quelqu'un est mort, ils montent tout droit au paradis. Non, personne n'est allé encore. Personne n'y est encore. Hein? Les apôtres n'y sont pas encore. Les anciens, hein? Les prophètes sont encore là. OK? Ils sont encore, ils attendent. D'accord? À l'exception, vous savez, l'exception, Élie. Hein? Donc, qui monte et note, mais les autres, ils attendent et nous devons arriver en avant. Peut-être qu'ensemble, peut-être que vous pouvez dire, mais les apôtres sont déjà au paradis. Non, les apôtres ne sont pas encore au paradis. Les apôtres ne sont pas encore au paradis. Les apôtres attendent comme ils attendent. Ils nous attendent parce qu'ils ne peuvent pas arriver à la perfection sans nous. Ils nous attendent, les apôtres nous attendent. Amen. Donc, ce soir, nous allons entamer notre sujet sur ce fameux point qu'on appelle la droite. Et un point que nous savons que nos bien-aimés sœurs attendaient à ce que nous parlions, à ce que nous parlions sur ce point-là, sur la droite. Donc, nous allons prendre le temps de bien l'examiner ensemble. Et à cela, vous allez comprendre que, par la grâce de Dieu, si nous ne comprenons pas le thème droite de Dieu ou droite de l'Éternel, eh bien, vous n'arriverez jamais à comprendre qu'il y a un seul Dieu et qu'il n'y en a pas deux. C'est vrai, beaucoup de gens disent que, mais serviteur, nous savons qu'il y a un seul Dieu. Oui, vous savez qu'il y a un seul Dieu, sauf que le seul Dieu que vous savez qu'il y a, je ne sais pas comment vous l'appelez, parce que pour vous, vous croyez qu'il y a un père et un fils. Le fils qui n'est pas le père et le père qui n'est pas le fils. C'est ce que vous croyez. C'est votre croyance, même quand cette croyance-là n'est pas biblique. Parce que c'est une croyance idolâtre. Nous ne pouvons pas prétendre utiliser une croyance qui est idolâtre pour prétendre que nous croyons en Dieu. Puisque le Seigneur lui-même a dit dans Ésaïe 42:8, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Ésaïe 42:8. Et nous saluons notre bien-aimé compagnon frère et ministre de l'Évangile et notre frère du Saint-Jean depuis la République dominicaine. Et nous saluons tous les autres ministres, tous les autres compagnons d'œuvre sur le fondement des apôtres au nom de Jésus-Christ. Donc, nous remarquons cela parce que quand vous avez cette croyance d'un Dieu qui n'est pas Jésus-Christ, mais qui est le Père, donc vous avez une croyance idolâtre. Et si vous avez une croyance idolâtre, maintenant la question, est-ce que vous pouvez prétendre prier Dieu vraiment? Est-ce que vous pouvez prétendre invoquer le nom de Jésus-Christ? Puisque vous ne reconnaissez pas Jésus-Christ en tant que Dieu. Maintenant, quand vous priez qui? Et laissez-moi vous dire que vous priez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Comme disait Jésus au Samaritain dans Marc 4, lorsqu'il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Donc, vous qui croyez en un Dieu qui n'est pas Jésus, qui est le Père qui n'est pas Jésus, un autre qui est Jésus, qui n'est pas le Père, c'est le Fils. Vous avez une croyance idolâtre. Vous ne savez pas qui vous priez. C'est vrai, vous priez, mais vous ne connaissez pas qui vous priez. Vous priez un Dieu inconnu.
Et quand je dis que vous priez en Dieu inconnu, je fais référence à l'apôtre Paul lorsqu'il arrivait à Athènes qui disait aux Athéniens, vous priez en Dieu. Regardez, vous avez écrit à un Dieu inconnu. Or, Paul était là pour identifier le Dieu qu'il appelle Dieu inconnu là. Puisque le nom, Jean 17, 6, le nom de ce Dieu a été révélé. Maintenant, nous ne pouvons pas invoquer le nom d'un Dieu que nous ne connaissons pas. Nous ne pouvons pas prier en Dieu qui ne s'est pas révélé. Nous ne pouvons pas prier en Dieu que nous ne savons pas comment l'invoquer. Pour invoquer Dieu, il faut que Dieu se révèle à nous. Pour invoquer Dieu, il faut que par la révélation, nous connaissons le nom de Dieu, puisque le nom a été révélé. À l'absence de tout cela, nous ne pouvons pas prétendre que nous prions Dieu, que nous adorons Dieu. Non, c'est faux, parce qu'on adore Dieu en esprit et en vérité. Maintenant, si vous adorez en esprit et en vérité, dans votre esprit là, vous priez lequel? Entre Jésus, que vous dites qu'il n'est pas le Père, et le Père qui n'est pas Jésus. Vous priez qui des deux? Est-ce que vous priez Jésus? Ou est-ce que vous priez le Père? Maintenant, est-ce que si vous priez le Père, c'est Jésus que vous priez? En sachant que Jésus n'est pas le Père selon vous. Est-ce que si vous priez Jésus, le Père, c'est Jésus que vous priez? Est-ce que si vous priez Jésus, c'est le Père que vous priez? En sachant que le Père n'est pas Jésus. Donc, vous êtes des idolâtres achevés. Des idolâtres enracinés, fondés. Des idolâtres mûrs. Des idolâtres faits. Des idolâtres expérimentés et approuvés, confirmés. Mais vous ne priez pas le Dieu de toute la terre, le seul et le vrai Dieu. Parce que vous ne pouvez pas prier de Dieu. Parce qu'il ne donnerait pas sa gloire à un autre ni son honneur aux idoles. Donc, ce qui fait que, bien aimés frères et sœurs, ce soir, nous allons prendre le temps d'examiner ensemble ce thème qu'on appelle, puisque nous avons déjà regardé pour l'éternel juge par lui-même, nous avons conclu la dernière fois. Donc, après la conclusion de la dernière fois, j'avais dit que nous allions entamer ce point qu'on appelle la droite. La droite. Prenons d'abord la droite, puisque nous devons commencer par le premier contrat, puisque nous devons prouver au premier contrat comment Dieu était et au second contrat comment il est. Est-ce qu'il y a une différence? Sinon que changement de nom. Parce qu'à chaque apparition de Dieu, à chaque dispensation, il se présente sur un nom nouveau. Ce n'est pas le même nom. Donc c'est pour cela que je commence au premier contrat. Et on arrivera au second contrat et nous allons comprendre la droite de l'Éternel. C'est quoi exactement? Et quand le texte dit Jésus debout à la droite de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que c'est une phrase littérale? Ou plutôt, est-ce que c'est une phrase symbolique qui signifie quelque chose que vous ne comprenez pas et que vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin d'examiner? Vous avez besoin d'être clair de cette chose-là afin de pouvoir être sûr du Dieu que vous adorez. Je sais, la plupart d'entre vous, vous êtes à l'église, mais vous n'êtes pas sûr. Parce que si on vous pose la question, on vous demande, mais est-ce que vous êtes sauvé? Et beaucoup de gens vont dire, je suis en train de faire des efforts, je ne suis pas encore sauvé, je suis sur le point, je suis sur la route. Ah, il y a beaucoup de choses à faire, donc je n'ai pas encore accompli toutes les choses que je devais accomplir pour dire que, voilà, je suis sauvé, mais je suis sur le point. Donc, vous ne savez même pas où vous en êtes. Vous voyez ce que je veux dire? Si on vous pose la question, est-ce que vous êtes saint? Ben, vous ne savez pas, vous allez répondre d'une phrase, je ne suis pas saint. Mais sauf que vous ne savez même pas ce que vous dites, ni vous ne comprenez pas la question, vous ne comprenez pas la réponse que vous avez donnée à cette question. Non seulement la personne qui vous pose la question ne comprend pas la question qu'elle a posée, et vous qui répondez, vous ne comprenez pas non plus ce que vous avez répondu. Parce que quand quelqu'un vous dit, est-ce que vous êtes saint?
C'est juste que la personne vous demande, est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Parce que c'est le Saint-Esprit qui rend saint. Donc, est-ce que vous êtes saint ou est-ce que vous avez le Saint-Esprit? C'est la même question. Et quand vous dites que je ne suis pas saint, vous répondez automatiquement que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Or, étant enfant de Dieu, étant servant de Dieu, étant serviteur de Dieu, lorsque vous dites que je ne suis pas saint, vous dites que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Et lorsque vous dites que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, c'est que vous n'appartenez pas à Christ, Romains 8, 9. Or, si quelqu'un vous dit, ah, vous n'êtes pas saint. Ah, bien-aimé sœur Antel, vous n'êtes pas saint. Ah, serviteur, vous n'êtes pas saint. Cette personne vous insulte. Cette personne vous traite d'enfant du malin. Parce que quand vous n'avez pas l'Esprit de Christ, vous n'appartenez pas à lui. Vous appartenez à qui selon vous? Au malin? Au dragon? Au serpent ancien? Parce que vous n'êtes pas saint, vous n'avez pas l'Esprit de Christ en vous. Alors quand quelqu'un me dit, ah serviteur, quand vous dites que vous êtes saint, ou quand une bien-aimée ou un bien-aimé dit qu'il est saint, c'est une hérésie, ce n'est pas normal. C'est vous plutôt. Vous ne comprenez jamais. Depuis tout le temps que vous lisez la Bible, vous ne comprenez jamais la Bible. Parce que vous ne comprenez même pas ce que veut dire être saint. Vous ne savez pas être saint, c'est porter l'Esprit de Dieu. Être saint, c'est avoir le Saint-Esprit en soi. C'est ça, être saint. Vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas saint. Et vous ne pouvez pas être saint sans avoir le Saint-Esprit. Et non plus, vous ne pouvez pas prétendre adorer Dieu si vous n'avez pas le Saint-Esprit. C'est impossible. Donc, ce qui fait que il est important à ce que nous arrivions à comprendre ce qui est écrit, ce que nous devons comprendre, comment nous devons marcher selon le fondement des apôtres et prêcher le même message. D'accord? C'est très important. C'est très important. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous allons commencer pour la droite. D'accord? La droite. Ok? La droite de l'Éternel. Alors, je vais commencer par ce texte de Psaume 118, le verset 15-16. Psaume 118, laissez-moi mettre Psaume 118 pour vous. Ça va vous permettre de pouvoir lire pour ceux qui n'ont pas de Bible. Psaume 118, le verset 15-16. Alors, Psaume 118, je vous. Le verset 15-16. Alors, n'oubliez pas de bien noter ce texte, s'il vous plaît. Après, de pouvoir examiner pour voir est-ce que ce que je vous enseigne est exact, est-ce que c'est ce que dit la Bible vraiment. Parce que j'ai un grave problème avec les bien-aimés. Quand vous écoutez les enseignements, vous n'avez pas de Bible, vous ne notez rien du tout, vous n'examinez rien du tout, vous dites Amen, sans avoir vérifié est-ce que c'était exact. Et quand vous êtes ainsi, vous êtes en une posture de zombie. D'accord? Mais vous n'êtes pas en posture des chrétiens de Béret qui examinaient et pour voir est-ce que ce que disait l'apôtre était exact. Moi, je vous demande de faire la même chose. Avant de dire Amen, il faut en être sûr. Ce que je suis en train de vous dire, c'est exactement ce que dit la parole de Dieu. Ok, Psaume 118, le verset 15-16. Alors, verset 15. Alors, 15-16. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel manifeste
sa puissance. Ok? Verset 16. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Ok? La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Nous avions vu la dernière fois dans Ésaïe que le texte disait l'Éternel avait juré par son bras et par sa droite. Hein? Par son bras et sa droite. Regardons ce texte et que nous avons vu. J'avais dit qu'on allait revenir sur ce verset biblique. Donc, revenons là-dessus et vérifions ensemble ce texte par la grâce de Dieu. Et nous allons comprendre pas mal de nouvelles et choses dans la parole. Ok? Donc, Ésaïe 62, le verset 8. Ésaïe 62, le verset 8. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Donc, il jure par sa droite et son bras puissant. Donc, la droite qu'on disait qui manifeste sa puissance, la droite ici qui manifeste sa puissance, l'Éternel a juré par cette droite-là. Et la droite-là, c'est le bras. D'accord? C'est le bras. Est-ce qu'on est d'accord? C'est le bras. N'oubliez, regardez bien le texte. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras. La droite et le bras, c'est la même chose. La droite puissante, le bras puissant, c'est la même chose. D'accord? Donc, c'est le bras et la droite qui manifestent sa puissance. C'est le bras et la droite qui est élevé. Ok? Maintenant, nous avons vu que la droite, le bras, c'est la puissance. La droite même, c'est la puissance. Et puisque la droite, c'est la puissance, elle, la droite, manifeste la puissance. Parce que c'est la droite de l'Éternel. Donc, la droite de l'Éternel, qui est la puissance, manifeste la puissance de l'Éternel. Parce que c'est la droite de l'Éternel, le texte a dit. Ce n'est pas la droite de moi, en tant que ministre de l'Évangile. Ce n'est pas la droite de notre serviteur. Mais c'est la droite de l'Éternel qui manifeste sa puissance. Parce que la droite, c'est la puissance. Elle est élevée et elle manifeste sa puissance. Et l'Éternel jure par cette droite-là, par cette puissance-là, qui est aussi le bras. C'est la droite puissante. C'est le bras puissant de l'Éternel. C'est sa puissance. C'est sa droite. Parce qu'on dit la droite de l'Éternel. Maintenant, nous allons prendre le temps de regarder. Regardons bien, nous venons de voir. J'aime avoir ma feuille, une feuille blanche. Nous venons de voir quoi? Nous venons de voir Psaume 118. Ok? Psaume 118. Le verset 15 et 16. Et nous avons pris Ésaïe. Hein? Ésaïe 62, le verset 8. Dans ces deux textes, nous les comparons. Hein? Nous sommes dans ce sujet qu'on appelle la droite de l'Éternel. Parce que nous voulons voir c'est quoi la droite. Parce que quand on dit qu'il est à la droite de Dieu, c'est quoi la droite? La droite c'est qui? C'est qui la droite?
C'est quoi la droite? Qu'est-ce que la droite? Parce que quand vous lisez Jésus-Christ à la droite de Dieu, vous dites que, hein, regardez, est-ce que vous avez compris c'est quoi la droite d'abord? C'est ce que nous sommes en train de voir. Donc, nous avons vu, reprenez, regardez votre Bible. Moi, je veux que vous regardiez dans votre Bible. Ne me regardez pas, regardez votre Bible plutôt. Parce que ce qui se passe là, c'est dans la Bible, c'est pas dans moi. C'est dans la Bible, c'est pas en moi. Regardez, Psaume 118. Regardons les deux textes, Ésaïe 78 et Psaume 118, le verset 15-16. Hein? Des cris de triomphe et de salut se lèvent dans les temples des justes. Deux points. Pourquoi? La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. C'est quoi? C'est la droite de l'Éternel. Quelle droite? La droite de l'Éternel. La droite de qui? De l'Éternel. Qui manifeste sa puissance. C'est-à-dire, la droite est une puissance. C'est la puissance de l'Éternel. Quand la droite manifeste, elle manifeste la puissance. De qui? De l'Éternel. Pourquoi? Parce que la droite, c'est la droite de l'Éternel. La droite de l'Éternel est élevée. Et étant élevée, elle manifeste sa puissance. Mais cette droite-là, cette puissance, ça c'est la puissance de qui? C'est la puissance de l'Éternel. Maintenant, dans Ésaïe 62, le verset 8, l'Éternel agirait par sa droite. Qu'est-ce que la droite? C'est la puissance. La puissance de qui? La puissance de l'Éternel. Donc, il agirait par sa droite. Et par son bras puissant. Qu'est-ce que le bras? C'est ce que nous devons voir. Qu'est-ce que la droite? C'est ce que nous devons voir. Le mot, le bras et la droite, c'est la même chose. Donc, le bras puissant, il agirait par lui. Vous avez noté? Jusque là, vous avez compris. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez, vous m'interrompez, automatiquement. Et je réponds à vos questions. Aucun problème. D'accord? Parce que lorsque nous disons la vérité, il n'y a pas à être gêné ou à quoi que ce soit. Non. Nous disons la vérité et la vérité répond. Ce n'est même pas moi, c'est la parole qui répond à vos questions, pas moi. Je ne connais rien pour répondre à vos questions. La parole répond parce que c'est la parole. Ok. Maintenant, nous avons vu la droite et nous avons vu le bras qui est la même chose. Nous avons vu, c'est la droite de l'Éternel, c'est la puissance de l'Éternel même, la droite. Mais nous n'avons pas encore vérifié, consulté. La droite, c'est qui? C'est ce que nous devons voir. Mais attendons de vérifier encore davantage la droite ou bien le bras. Ça va nous permettre de comprendre plus de choses. Ensuite, nous allons identifier juste après la droite là c'est qui? Le bras là c'est qui? Est-ce que vous m'avez compris? Ok. Nous allons prendre d'autres textes, mes bien-aimés. Nous allons prendre d'autres textes. N'oubliez pas de noter et d'examiner bien. Si ce que je dis n'est pas vrai, vous m'arrêtez. Vous dites, serviteur, ce que vous dites là n'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord. Et vous prenez votre Bible, vous réfutez ce que j'ai dit. Vous prouvez ce que vous dites là, ce n'est pas ça. Voilà ce que dit la Bible. Ce que vous dites là, ce n'est pas exactement ça. Et puis moi, je vais me courber à la parole. Ok. Nous sommes dans Habacuc, le chapitre 2, le verset 16. Habacuc 2, verset 16. Ok? Habacuc 2, verset 16, s'il vous plaît. Ok? On est clair? Nous allons examiner ensemble la parole de Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important, mes bien-aimés. C'est très important. Ok? C'est très important. Nous allons y prendre le temps d'examiner par la grâce de Dieu. Et nous allons voir la vérité en face. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Habacuc, ok, le chapitre 2, le verset 16. Chapitre 2, le verset 16. Et n'oubliez pas de bien souligner dans votre Bible.
Ok, c'est très important. Est-ce que c'est bien le texte biblique que nous avons? Alors, est-ce que c'est bien ça? Habacuc 1, 2, verset 16. Ok. Ok, c'est bien ça. Lisons Habacuc, le chapitre 2, le verset 16. Tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi la coupe de la droite de l'Éternel. La coupe de la droite de l'Éternel. Non, mais c'est extraordinaire, bien-aimé. Hein? Quand Jésus-Christ est à la droite de Dieu, hein? Vous avez vu que ça a du sens? La définition, l'explication que vous avez donnée là, est-ce que vous avez vu que ça a du sens? Ça n'a pas de sens. Hein? La coupe, hein? Vous allez boire la coupe de la droite de l'Éternel. Hein? La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi et l'ignominie souillera ta gloire. Regardez, la coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi et l'ignominie souillera ta gloire. Qu'est-ce qui tournera vers toi? C'est la coupe de la droite de l'Éternel. Est-ce qu'il y a une coupe à la droite de l'Éternel là? Parce que quand vous voyez dans le texte, ça vous dit, Étienne a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Vous dites, ouais, Étienne avait vu Jésus. Et Jésus était debout. Est-ce que vous avez compris la droite là? La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi. Donc, la coupe là, c'est quoi? C'est qui? Si la coupe de la droite se tournera vers toi et l'ignominie suivra ta gloire à cause du fait que la coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi. Autrement dit, la colère, la puissance colérique de Dieu se tournera vers toi et l'ignominie souillera ta gloire. Donc ça veut dire, la coupe de la gloire de l'Éternel se tournera vers toi. Donc je ne comprends pas, bien-aimé. Je ne comprends pas. Parce que si la droite ici, c'est comme la droite, comme le protestant traditionnel, on me dit que la coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi. Qu'est-ce qui se tournera vers toi? La coupe de la droite. Mais qu'est-ce que veut dire la coupe de la droite? La coupe de la droite. Donc la droite a une coupe. La droite a une coupe. Hein? Donc la droite c'est qui? Hein? La droite manifeste sa puissance. La droite est élevée. Et là on me dit la droite a une coupe. Et cette coupe là se tournera vers toi là. Et l'ignominie suivra ta gloire. Donc, ça veut dire, la coupe, c'est la coupe de la droite. Donc, ça veut dire, la droite a une coupe, la droite a une puissance, la droite est élevée. Mais là, on nous montre que la droite, c'est quelque chose qui n'est pas abstraite. Mais, apparemment, la droite est concrète. Vous avez compris ce que j'ai dit là? Puisque la droite peut être élevée, la droite peut manifester sa puissance. La droite a une coupe et elle peut tourner cette coupe vers toi et que l'ignominie peut souiller ta gloire si la droite tourne sa coupe vers toi. Donc c'est-à-dire la droite là, mon petit doigt me dit que la droite n'est pas quelque chose d'abstrait, mais c'est quelque chose de concret. On peut voir la droite, on peut entendre la droite, parce que la droite a une puissance, la droite peut se tourner vers toi et l'ignominie te couvre automatiquement. Maintenant, comment la droite peut se tourner vers moi et me couvre d'ignominie et souille ma gloire? Donc, la droite n'est pas abstraite. C'est-à-dire, la droite n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas écouter parler, qu'on ne peut pas. Vous voyez ce que je veux dire, bien-aimé? Donc, la droite, là, je suis très,
curieux pour savoir, pour découvrir c'est quoi la droite. Parce que jusqu'à maintenant, je ne sais pas c'est quoi la droite. Regardez bien, on nous a dit, l'Éternel juge par sa droite et son bras puissant. On nous a dit que la droite était élevée. La droite manifeste sa puissance. Donc, c'est-à-dire, la droite a une puissance. La droite peut être élevée. Hein? L'Éternel lui-même juge par la droite. Il juge par le bras. Et on nous a dit que la droite était la droite de l'Éternel. Ce n'est pas la droite de quelqu'un d'autre. C'est la droite de l'Éternel. Maintenant, dans Habacuc, le chapitre 2, le verset 16, on nous a dit que la droite a une coupe. Et on nous a dit la coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi et l'ignominie sera ta gloire. Donc, c'est-à-dire, en sachant que, d'abord, que la droite, c'est la droite de l'Éternel. Mais tout ça, ce n'est pas ça qui est excitant, qui est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est de savoir la droite, là, c'est qui? Je ne vais pas dire maintenant que la droite, c'est l'Éternel. Non. Je ne veux pas être trop pressé. Vous allez vous-même déterminer le bras. La droite, là, c'est qui? C'est vous qui devez déterminer ça avec votre Bible en main. Vous regardez vous-même, vous dites, ah, c'est ça le bras et la droite là. Donc, nous avons vu, Esaïe 68, la droite et le bras, c'est la même chose. C'est le bras de l'Éternel, c'est la droite de l'Éternel. Donc, nous ne savons pas c'est quoi la droite. Sauf que là, nous avons découvert que Nous avons découvert que la droite a une coupe. La droite a la puissance. La droite est élevée. Et la droite peut se tourner vers toi et te couvre d'ignominie. C'est-à-dire, si la droite se tourne vers toi, la droite va te couvrir d'ignominie et ta gloire sera souillée. Donc, jusque-là, nous avons compris que la droite n'est pas abstraite, elle est concrète. Donc, on peut entendre la droite, toucher la droite et la droite peut parler. On va voir ça. On va voir ça. Donc, vous notez le texte. Nous étions dans Habacuc, le chapitre 2, le verset 16. Nous allons continuer. OK? Et nous allons identifier la droite, qui est la droite, jusqu'à quand nous allons conclure. OK? D'accord. Donc, nous sommes dans Habacuc. Maintenant, prenons Exode 15, le verset 6. Exode 15, 6. Exode, le chapitre 15, le verset 6. Exode. Prenons Exode ici, tranquillement. Et c'est le chapitre 15. Et c'est le verset 6. Nous sommes en train de parler de la droite. La droite, est-ce que la droite, c'est une chose abstraite ou est-ce que la droite, c'est une personne? Est-ce que la droite, c'est quelqu'un? Est-ce que la droite, c'est qui? C'est la droite. La droite, c'est qui? La droite de Dieu. La droite, il est à la droite. La droite, c'est qui? C'est quoi la droite? C'est ce que nous sommes en train de voir. Exode, hein, le chapitre 15, le verset 6, Exode 15, 6. Voyons voir Exode 15, 6. C'est quoi? D'accord? Alors, notez les points forts de la droite. Les points forts de la droite, c'est que la droite peut manifester sa puissance. La droite a une puissance. La droite a une coupe. Et la droite peut se tourner contre toi. Et la droite, c'est le bras. Esaïe 68. C'est le bras. OK. Exode 15, le verset 16. Ah, le verset 6, pardon. Exode 15, 6. 15, 6. Exode 15, le verset 6. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi.
Oh, j'aime ce texte, j'aime ce texte. J'aime, oh, bien-aimé, notez, bien-aimé, j'aime ce texte. Ta droite, oh, éternel, a signalé sa force. Ta droite, oh, éternel, a écrasé l'ennemi. Donc, la droite de l'éternel, c'est la droite. Donc, c'est-à-dire, la droite, ta droite, oh, mais ta droite, hey, ta droite, ta droite, ta droite, ta droite, ta droite, ta droite. Mais ta, la droite, là, on dit c'est la droite de l'éternel, hein, éternel, ta droite, a écrasé les ennemis. De qui a écrasé les ennemis? La droite de l'éternel. La droite de l'éternel a écrasé les ennemis. Donc, si la droite, ta droite, la droite c'est quoi? La droite est une puissance. Parce qu'on dit la droite manifeste sa puissance. Donc, Psaume 118, le verset 15-16, la droite est la puissance de l'éternel. La droite est le pouvoir de l'éternel. Parce que la droite manifeste sa puissance. Et on nous a dit, la droite, qui est une puissance, c'est la droite de l'éternel, c'est la puissance de l'éternel, qui a signalé la force. Parce que la droite est une force, est une puissance. Et c'est la puissance de la droite qui fait que la droite soit forte. Et cette droite, c'est la puissance de l'éternel. Parce que cette droite, c'est la droite de l'éternel. Et c'est cette droite-là ou cette puissance-là qui a écrasé les ennemis. La droite est la puissance. Mais qui est la droite? Qu'est-ce que la droite? La droite, c'est la puissance. C'est le bras de l'éternel. C'est la force de l'éternel. Mais qui est la droite? C'est là la question. Qui est la droite? Qui est le bras? Parce que quand je dis la droite et le bras, c'est la même chose. C'est ce que nous devons voir pour conclure après. Vous avez noté? Ok, si vous avez noté, c'est bien. Maintenant, nous avons Exode 15, 6. Prenons maintenant le psaume 9, le verset 1er. Est-ce que c'est bien ça? Non, non. Le psaume 98, pardon. Psaume 98, le verset 1er. Psaume 98, le verset 1er. Psaume 98, le verset 1er. Nous avons déjà pris Exode. Maintenant, prenons Psaume 98, le verset. Le verset 1er. Le psaume 98, le verset 1er. Ok? Nous sommes dans la droite et le bras de l'éternel. D'accord? Psaume 98, le verset 1er. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. Vous voyez, on a utilisé les deux thèmes, le bras et la droite encore. Et quand on dit le bras et la droite, c'est toujours la même chose, c'est la puissance. C'est le même thème. Hein? Lui sont venus en aide. Sa droite et son bras. Il jure par sa, Isaïe 42, il jure par sa droite et son bras puissant. Donc ça dit le bras c'est la puissance. La droite c'est la puissance. Donc ça dit c'est le même thème. Ok. Notez. Il faut pas négliger. Il faut noter tout ça. Et vous allez jamais avoir de confusion lorsque vous lisez la parole de Dieu. Et vous n'allez jamais dire que Jésus-Christ n'est pas le Père. Jésus-Christ n'est pas comme vous dites là. Hein? Vous allez voir ça. Ok. Nous allons prendre maintenant Ésaïe 63, le verset 12. 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 Nous sommes dans
la droite et le bras de l'Éternel. C'est notre sujet de ce soir. Amen. Ésaïe 63, le verset 12. Ésaïe 63, le verset 12. Que dit Ésaïe 63, verset 12? Écoutez bien. Et j'aime encore ce texte-là. J'aime encore ça. Et regardez. Regardez Ésaïe 63, 12, mes bien-aimés. Regardez bien. Qui dirigea la droite de Moïse? Oh, maintenant vous allez me donner raison, mes bien-aimés. Ah, oh, alors pas moi, excusez-moi. Vous allez donner raison à la parole. Ah oui. Regardez ce texte-là. Il faut que vous regardiez ce texte. S'il vous plaît. C'est très important. Regardez bien le texte, s'il vous plaît. Laissez-moi afficher le texte pour les bien-aimés. Et laissez-moi afficher ce texte parce que ce texte-là, nous sommes dans Ésaïe. Hein, ce texte-là est trop. Ah, c'est un verset extraordinaire. Hein, extraordinaire. Et Ésaïe. Aïe. Ésaïe 63, le verset 12. Oh, quel joli texte. Quel texte extraordinaire. Regardez, mes bien-aimés, juste là. Ésaïe 63, le verset 12. Mon Dieu. Ésaïe 63, le verset 12. Regardez bien, mes bien-aimés, que dit le texte. Qui dirigea la droite de Moïse? Par son bras glorieux, qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel. La droite de Moïse, qui dirigea cette droite, par son bras glorieux. Donc, le bras de l'Éternel est un bras glorieux. La droite de l'Éternel est une droite glorieuse. Qui dirigeait la droite de Moïse, c'est l'Éternel lui-même qui dirigeait la droite de Moïse. C'est-à-dire, la puissance qu'avait Moïse. C'était qui l'auteur de cette puissance? Qui dirigeait cette puissance que Moïse avait? Moïse était tellement puissant. Parce qu'il était comme Dieu pour le peuple. Qui dirigeait cette droite-là? Parce que toute la puissance qu'avait Moïse, c'était la droite. Quand je parle de la droite de Patrick, quand je parle de ma droite, je parle de ma puissance. Quand je parle de la droite, je parle de mon bras. Je parle de la puissance. La droite de frère tel, c'est sa puissance. Le bras de frère tel, c'est sa puissance. Ce sont des thèmes bibliques. Moïse avait une droite. C'est l'Éternel qui dirigeait cette droite-là. Mais quand on dit la droite de Moïse, n'oubliez pas les versets que vous lisez. Jésus-Christ est à la droite de Dieu là. N'oubliez pas ces versets, c'est pour ça que j'ai voulu ça. Moïse avait une droite. Mais je ne sais pas si... Moïse avait une droite. Ok, d'accord, pas de problème. Nous allons doucement, doucement, tranquille, doucement. Donc, ça dit, Moïse avait une droite. Et l'Éternel dirigeait cette droite par son bras. Ça dit... La droite qui est la puissance, le bras qui est aussi la puissance. Donc, la puissance de Moïse a été dirigée par la puissance de l'Éternel. Donc, c'est la puissance de l'Éternel qui dirigea la puissance de Moïse. C'est la droite de l'Éternel qui dirigea la droite de Moïse. C'est le bras de l'Éternel qui dirigea le bras de Moïse. Parce que la puissance vient de l'Éternel. Vient de la droite de l'Éternel. Ok. Avançons, mes bien-aimés, dans la droite et le bras. Ok? Avançons. Nous avons pris et Ésaïe 63, le verset 12. Maintenant, prenons, bien-aimés, prenons Psaume 110, le verset 1er. Le Psaume 110, le verset 1er, nous allons regarder ce que la parole de Dieu a dit dans Psaume 110, le verset 1er. Psaume 110. Allons-y. Nous sommes dans le bras de la droite de l'Éternel.
nous sommes en train d'identifier la droite. Qu'est-ce que la droite? C'est quoi la droite? C'est ce que nous sommes en train d'identifier avec vous. D'accord? Psaume 110, le verset premier. Donc, vous voyez ça, les protestants traditionnels ne vont pas prendre le temps d'examiner ça. Ils vont continuer dans leur zombification. Ils ne vont pas prendre le temps d'examiner ça et de voir la vérité. Pour arrêter de prendre le terme droite de manière littérale. La droite n'est pas littérale parce que ce n'est pas une chose abstraite. C'est quelque chose de concret. On peut toucher la droite, on peut entendre la droite. D'ailleurs, la droite nous parle, la droite nous révèle. Et nous allons voir c'est qui la droite. Psaume 110, le verset premier. Parole de l'Éternel à mon serviteur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Assieds-toi à ma droite. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. En sachant que la droite, c'est la puissance. En sachant que la droite, c'est le bras. D'accord? Quand tu t'assois à la droite, c'est que tu t'assois avec la puissance. Ou plutôt, laissez-moi prendre Moïse. Par exemple, Moïse était assis à la droite. D'accord? Parce que Moïse avait la droite de l'Éternel. C'est pour cela que le texte, on pose la question, qui dirigea la droite de Moïse? Puisque Moïse était assis à la droite, il avait la droite. Et Dieu dirigeait cette droite. Raison pour laquelle Dieu dit, assieds-toi à ma droite. Parce que Dieu dirigea cette droite-là jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Et Moïse est assis. Et les ennemis tombent devant lui. Parce qu'il était assis à la droite de l'Éternel. Et l'Éternel dirigeait la droite de Moïse par son bras puissant. Et Moïse gagnait la bataille. Et Dieu écrasa les ennemis de Moïse par la droite, par son bras puissant. Souligné, psaume 110, le verset premier. C'est très important. Ok, prenons un autre texte. Jusqu'à présent, nous avons vu la droite, c'est quoi? C'est la puissance. La droite, c'est l'autorité de Dieu. La droite, c'est le bras de l'Éternel. La droite, nous sommes en train de voir qu'est-ce que la droite? C'est ce que nous sommes en train de voir. Et nous allons conclure par qui est la droite? Qui est le bras? Quand je dis droite ou bras, c'est la même chose. N'oubliez pas. Ok. Nous sommes dans Psaume 20, le verset 7. Psaume 20, le verset 7. Le Psaume 20, le verset 7. Alors, que dit le Psaume 20, le verset 7? Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exorce des cieux de sa sainte demeure. Par le secours puissant de sa droite. Par le secours puissant de sa droite. Donc, la droite de l'Éternel a un secours puissant. Et c'est ce secours puissant que la droite de l'Éternel donne qui sauve les ruins de l'Éternel. Donc, la droite a un secours. La droite, ce n'est pas un endroit. La droite, ce n'est pas un lieu. La droite, ce n'est pas une position. La droite, ce n'est pas à gauche, à droite, un endroit où vous vous tenez. Non! La droite, c'est la puissance. C'est l'autorité. C'est cela qu'est-ce que la droite. Mais qui est la droite? Nous allons conclure par ça. On y va, nous continuons. Nous continuons. Nous avons vu le psaume 20, le verset 7.
Prenons Ésaïe 41, le verset 13. Ésaïe 41, le verset 13. Ésaïe 41, le verset 13. D'accord? Ésaïe 41, le verset 13. Nous sommes dans la droite et le bras de l'Éternel. Amen. Nous sommes dans la droite et le bras de l'Éternel. Nous sommes en train de constater que la droite, ce n'est pas une position à gauche ou à droite, mais la droite, c'est la puissance, c'est l'autorité de Dieu. C'est le bras de l'Éternel. Donc, la droite est le bras puissant de l'Éternel. Parce que Moïse avait une droite. Et on a demandé qui dirigea la droite de Moïse. Donc, la droite, ce n'est pas une position, s'il vous plaît. Ésaïe 41, le verset 13, nous dit... Voyons voir, ça nous dit quoi? Ok. Ça nous dit quoi? Ésaïe 41, le verset 13. Ça nous dit, verset 13. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite. Est-ce que vous avez lu? Vous avez lu la même chose que moi? Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours, qui fortifie ta droite. Ah! Moïse avait une droite, j'ai une droite, vous avez chacun de vous une droite. Vous êtes des enfants de Dieu, vous avez la droite. Vous êtes assis à la droite de Dieu. Parce que vous êtes des enfants de Dieu, vous avez tous une droite. J'ai une droite. La bien-aimée sœur a une droite. Le bien-aimé frère a une droite. Tout comme Moïse avait une droite. Et le Seigneur Jésus-Christ fortifie notre droite. Tout le temps. Parce que à chaque combat, il fortifie notre droite. Pour que nous puissions gagner la bataille. Tout comme l'Éternel avait fortifié la droite de Moïse, il dirigeait la droite de Moïse, il a écrasé les ennemis. Vous savez pas que vous aviez une droite? Donc vous-même, vous êtes à la droite de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes debout, à côté du trône. Comme vous comprenez droite comme étant une position, à droite, à gauche. Non. Ce n'est pas une position. Le Seigneur fortifie ma droite. C'est quoi? Le Seigneur fortifie ma droite. C'est quoi? Hein? Protestant traditionnel. Les églises des réveils. L'Éternel fortifie ma droite. Ça veut dire quoi? J'ai une droite. Mais c'est quoi la droite alors? Assieds-toi à ma droite. Hein? Moïse est assis à la droite de Dieu et Dieu dirigeait sa droite. Parce que Moïse avait une droite. Voilà, quand on dit Jésus à la droite de Dieu, Jésus avait une droite. Oh, ce qui est extraordinaire, c'est de voir, quand nous allons voir qui est la droite, qui est le bras. Donc j'ai un bras. Moïse avait un bras. Assieds-toi à ma droite. Assieds-toi à mon bras. Vous comprenez pas ce que ça veut dire? Ça n'a rien à voir, ça n'a rien de littéral ou d'abstrait. C'est quelque chose de concret. Pourquoi je dis concret? Parce que quand nous allons voir qui est la droite, nous allons voir que la droite est concrète. Est-ce que vous avez compris cela? Ok, continuons. Nous avons vu Ésaïe, le chapitre 41, le verset 13. Maintenant, nous allons voir le psaume. Ok, le psaume 16, le verset 11. Et lorsque nous aurons quitté, parce que tout là, nous sommes dans le nouveau contrat, hein, l'ancien contrat, d'accord? L'ancien testament, comme vous aimez dire. Donc, c'est pour ça que j'ai pris tous ces textes dans l'Ancien Testament pour vous expliquer la droite.
et le bras. Ok? Donc, prenons le psaume 16, le verset 11. Psaume 16, le verset 11. Psaume 16, le verset 11. Et lorsque nous allons dans le Nouveau Testament pour parler de droite, nous n'allons pas le faire ce soir, mais nous allons le faire dimanche soir, plaise à Dieu, selon le langage traditionnel. Ok? Dimanche soir, nous ferons cela. Puisque demain, plaise à Dieu, nous ne serons pas ensemble. Donc, dimanche, nous aurons à regarder la droite dans la grâce. Parce que nous sommes en train de regarder la droite dans la loi. C'est quoi la droite? Et la définition de la droite dans la loi et dans la grâce, est-ce que c'est une définition différente? Ou est-ce que c'est la même chose? Nous verrons ça dimanche prochain. Psaume 16, le verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondante joie devant ta face, des délices éternels à ta droite. Des délices éternels à ta droite. Car tu ne me livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Oh, il y a d'abondante joie devant ta face. Des délices éternels à ta droite, il y a d'abondant joie, il y a d'abondant joie devant ta face, des délices éternels à ta droite. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à Jésus-Christ, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Oh, il y a d'abondante joie devant ta face. Des délices éternels à ta droite. Il y a d'abondante joie devant ta face. Des délices éternels à ta droite. Vous savez, comme nous chantons les psaumes, nous chantons les hymnes, nous chantons les cantiques spirituels, nous n'utilisons pas les cantiques composés par des vendeurs d'adoration, des vendeurs de louanges, par la confrérie démoniaque qu'on appelle confrérie musique évangélique, gospel music, qui n'a rien à voir avec l'évangile, parce que ces vendeurs, ces chanteurs, artistes évangéliques, ce sont des agents, des oubliés du diable. Nous n'utilisons pas les cantiques de ces gens-là. Nous voulons savoir ce que nous devons chanter, ce que nous devons utiliser pour adorer Dieu. Nous allons dans la Bible. Colossiens 3, 17, Éphésiens 5, 16. Les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels. Voilà ce que nous devons chanter. Ils sont où? Dans votre Bible. Ils sont où? Dans votre Bible. Vous voulez savoir quoi chanter? Oui. Eh bien, ça se trouve dans votre Bible. Les disciples, les apôtres, ils chantaient. Mais ils chantaient quoi? Les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels. Ils sont où? Dans votre Bible. Donc, nous faisons ça parce que nous sommes sur le fondement des apôtres. Et nous demeurons ici jusqu'à l'enlèvement. Alors, nous venons de lire le psaume 16, le verset 11, qui nous parle qu'il y a des délices éternels à ta droite, c'est-à-dire à la droite de
l'Éternel, il y a des délices éternels. Donc, ça veut dire, s'il y a des délices éternels à ta droite, mais bien aimé, regardons cette seule phrase, s'il vous plaît. Regardez cette phrase et puis, soulignez cette phrase dans votre Bible, s'il vous plaît, mes bien-aimés. Psaume 16, le verset 17, la dernière fois, la dernière phrase. Regardez. Des délices éternels à ta droite. Donc, ça veut dire, à la droite de Dieu, il y a des délices éternels. Ah, il n'y a pas seulement Jésus à la droite, apparemment. Il y a des délices éternels à la droite de Dieu aussi. Ah oui, il faut que nous regardions à la droite du trône pour voir est-ce qu'il y a des délices. Il n'y a pas que Jésus à la droite, il y a des délices à la droite aussi. Des délices à la droite. Est-ce que vous avez compris, mes bien-aimés? Hein? Il y a des délices éternelles à ta droite. C'est-à-dire, à la droite de Dieu, il n'y a pas seulement Jésus. À la droite de Dieu, il n'y a pas seulement Moïse. À la droite de Dieu, il n'y a pas seulement nous, parce que nous avons la droite. Il fortifie notre droite. Donc, nous sommes tous à la droite de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes tous à côté du trône. Hein, nous sommes debout. Si Jésus est debout, je suis debout aussi. Parce que Dieu a dit, je fortifie ta droite. Si Jésus est debout à la droite, c'est que vous aussi, vous êtes debout à la droite. Parce que vous avez une droite aussi. Et si nous sommes debout à la droite, Jésus est debout à la droite, c'est que les délices sont debout à la droite aussi. Parce que à la droite de Dieu, il y a des délices. À vous de m'expliquer parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais vous allez m'expliquer. Deutéronome 33, le verset 2. Vous allez m'expliquer. Prenons Deutéronome 33, le verset 2, s'il vous plaît. Vous allez m'expliquer. À la droite, il y a quoi à la droite là? Et il y a quoi à la droite? Moïse est à la droite. Parce que Moïse avait une droite. Et tous les serviteurs de Dieu ont une droite. Jésus à la droite. Nous sommes tous globalement à la droite. Et non seulement ça, il y a des délices à la droite. À la droite de Dieu, il y a tout ça. Ah, vous pensez que c'était que Jésus qui était à la droite de Dieu, debout, comme un enfant, debout, sans trône. Nous tous, nous sommes debout, à la droite. Vous comprenez ce que je veux dire? Et quand notre droite manifeste sa puissance, c'est l'Éternel qui dirige cette droite. Hein? Quand j'écrase les ennemis par ma droite, c'est Dieu qui dirige ma droite. Quand j'écrase les ennemis par mon bras, pour que vous puissiez comprendre plus clair, c'est Dieu qui dirige mon bras. Hé, hey, il tient. Il étendit sa main en haut. Il me saisit. Il me délivra. Retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il étendit sa main en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux, il me délivra. De mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il étendit sa main, il étendit sa droite, il étendit sa puissance, il étendit son bras d'en haut. Il me retira des rangs des eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Parce que c'est Dieu qui dirige ma droite. Vous avez compris ça? Deutéronome, prenons Deutéronome 33, le verset 2. Deutéronome 33, le verset 2. Nous sommes dans la droite et le bras de l'Éternel. C'est la droite et le bras de l'Éternel que nous sommes en train de voir. Qu'est-ce que le bras et qui est le bras? Mais nous avons commencé par qu'est-ce que la droite? Qu'est-ce que le bras? Et nous allons conclure par qu'est-ce que
Alors, qui est plutôt la droite ou le bras de l'Éternel? Nous sommes en train de voir qu'est-ce que la droite et le bras. Et là, nous allons voir quoi? Qui est le bras et la droite? Nous sommes en train de voir qu'est-ce que le bras ou la droite de l'Éternel. Et nous allons conclure par qui est le bras ou la droite de l'Éternel. Deutéronome 33, le verset 2 qui dit, regardez dans votre Bible, Deutéronome 33, le verset 2. Il dit, deux points, l'Éternel est venu du Sinaï. Il s'est levé sur eux de Séir. Il a resplendi de la montagne de Paran. Et il est sorti du milieu de cette myriade. Il leur a de sa droite envoyé. Aïe, 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 aïe. Non, mais c'est extraordinaire, bien aimé. Hein? Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Hein? L'Éternel a envoyé le feu de la loi par sa droite. Ah, peut-être que l'Éternel était à droite, il a envoyé le feu par la droite. Comme ça, il est debout à droite, il envoie le feu. Il a envoyé le feu de la loi par sa droite. Il a envoyé le feu de la loi par sa puissance, par son bras. Il a envoyé le feu de la loi par sa droite. Oh, comme vous dites, il a envoyé le feu de la loi par sa droite. Vous avez compris ça comment? L'Éternel a envoyé le feu de la loi par sa droite. Hein? La droite puissance. C'est ce que nous avons vu, que la droite était la puissance, l'autorité, le pouvoir de Dieu. Donc, il a envoyé le feu de la loi par sa puissance, par sa droite, par son bras, par son autorité. C'est ce que nous avons vu. Parce que nous sommes en train de déterminer qu'est-ce que le bras ou la droite de Dieu. Et nous allons conclure qui est le bras ou la droite de Dieu. Parce que si je vous dis qu'est-ce que le bras et la droite, c'est ce que nous avons vu, nous sommes en train de continuer à voir. Je dois vous dire aussi qui est le bras ou la droite. À ce moment-là, vous allez effacer cette pensée. De dire que, oui, sur le trône, Jésus est debout, parce que le texte dit, il est à la droite de Dieu. Mais c'est quoi la droite, bien-aimé? Oui, Jésus est à debout à la droite de Dieu. Il est debout à la droite de Dieu? Debout, littéralement? Mais qu'est-ce que la droite? Qui est la droite? Vous avez deux questions à répondre. Qu'est-ce que la droite et qui est la droite? Et quand vous allez voir, vous n'allez jamais répéter cette hérésie. Jamais. Ok, nous avons vu Deutéronome 33, le verset 2. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Par sa droite, il a envoyé Jésus. Par son bras, il a envoyé Jésus. Par sa puissance, il a envoyé Jésus. Par son autorité, il a envoyé Jésus. Par sa droite. Par sa droite. Ésaïe 62, 8, nous avons vu ce texte déjà. Et nous allons regarder Ésaïe 62, 8 encore, parce que vous devez voir que la droite et le bras, c'est la même chose. L'Éternel l'a juré par sa droite et son bras puissant. Sa droite et son bras puissant. Sa droite et son bras puissant. Il a juré par sa droite et son bras puissant. Alors, il y a un dernier texte, je vais regarder dans Psaume 89, le verset 36. Psaume 89, le verset 36. Psaume 89, le verset 36. Sa droite et son bras puissant. La droite et le bras, c'est la puissance. Ok, c'est la puissance. C'est la puissance. Psaume 89, le verset 36. Psaume 89, 36. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à
à David. Là, il a joué par sa sainteté. Alors, je voulais le texte qui parlait de la droite, parce que la sainteté, c'est encore, parce que la puissance de Dieu réside dans sa sainteté, dans sa toute puissance, dans son bras. Donc, il a juré par sa droite, comme Ésaïe 62, le verset 8, par sa droite, par son bras et par sa sainteté. D'accord? C'est lorsque nous étions dans l'éternel jure par lui-même, nous avons vu tout cela. Ok? Donc, Ésaïe 62, le verset 8, nous avons vu, il a juré par sa droite et par son bras. Donc, la droite, le bras de l'éternel, c'est sa puissance. Ok? Moïse avait une droite et nous avons tous une droite. Parce que Dieu dit, je dirige ta droite. Je fortifie ta droite. Hein? Ou on pouvait dire aussi, je dirige ta main, je fortifie ta main. La droite, la main, le bras, c'est la puissance. C'est l'onction de Dieu. D'accord? Nous allons voir tout ça. Parce que nous devons voir qui est la droite d'abord. Maintenant, nous arrivons ici pour l'Ancien Testament. Je vais résumer ce que nous venons de voir puisque je vais conclure toujours dans l'Ancien Testament. Nous avons vu que Psaume 118, verset 15-16, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. Ça veut dire quoi? La droite, c'est la droite de qui? C'est la droite de l'Éternel. Ok? Et cette droite-là a une puissance. Et la droite manifeste cette puissance. C'est la puissance de l'Éternel. Nous avons vu que la droite est aussi le bras. C'est la même chose parce que c'est la puissance. Nous avons vu que Moïse avait une droite. Et c'est l'Éternel qui dirigeait la droite de Moïse par son bras puissant. Nous avons vu que chacun des serviteurs de Dieu a une droite. Et c'est l'Éternel lui-même qui fortifie notre droite, la droite de chacun. Et c'est dans la question, qu'est-ce que la droite ou le bras de l'Éternel, que nous avons vu cela. Maintenant, la conclusion va se faire par la deuxième question, qui est la droite de l'Éternel? C'est une question un peu bizarre. Parce que si je dis la droite de l'Éternel, je ne peux pas demander encore qui est la droite de l'Éternel. Mais je fais exprès de dire qui est la droite de l'Éternel et de répondre à cette question bibliquement. Parce que si on dit la droite de l'Éternel, ben la droite de l'Éternel, on ne peut pas demander qui est la droite. Parce qu'on voit déjà qui est la droite. Mais non, je vais poser la question. Pas exprès, ok? Donc, allons-y, nous allons voir qui est la droite, ou plutôt qui est le bras de l'Éternel. Parce qu'il dit, je ne jure pas mon bras ou pas ma droite. Hein? Son bras puissant a écrasé les ennemis, sa droite puissante a écrasé les ennemis. Nous devons voir qui est le bras de l'Éternel. Alors, allons-y, nous allons examiner la parole. Nous sommes toujours dans l'Ancien Testament, d'accord? Nous allons conclure là. Dimanche, plaise à Dieu, nous serons dans le Nouveau Testament sur la droite encore. D'accord? Et nous allons comprendre tout par la grâce de Dieu. Prenons avec moi, nous sommes dans la conclusion et dans la question qui est la droite. Prenons avec moi Ésaïe 53. Ésaïe 53. Et s'il vous plaît, je vous demande votre attention. Optima. Donc, c'est-à-dire une attention attentive pour conclure par cette question qui est la droite de l'Éternel. Alors, il y a Janice qui dit l'Éternel lui-même. Bien aimé, nous ne voulons pas répondre comme ça parce qu'au moins ils ne vont pas nous emmener en justice
ou ils ne vont pas nous faire la guerre. Laissons la Bible répondre. C'est mieux. D'accord? Alors, vous venez de dire que la droite de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Vous allez avoir des problèmes là, parce que le bras de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. C'est ce que nous allons voir. Est-ce que c'est l'Éternel lui-même? Et si c'est l'Éternel lui-même, les protestants traditionnels sont mal barrés, hein? Mais allons-y voir ce que la parole de Dieu dit. Ésaïe 53. Qui accoule à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ou bien la droite de l'Éternel? Relisons. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ou qui a reconnu la droite de l'Éternel? Oh, je ne comprends pas le prophète Ésaïe. Il parle de la reconnaissance du bras de l'Éternel. Donc le bras ou la droite, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas une chose abstraite, mais c'est concret. Et ce n'est même pas une chose. Apparemment, c'est quelque chose qu'on peut reconnaître. Et en qui on peut croire? Qui a reconnu? Et qui a cru? Regardez les temps que le prophète avait employés pour prophétiser en ce sens. Qui a reconnu? Passé composé. Est-ce que ce que le prophète était en train d'expliquer, de prophétiser, est-ce que c'était quelque chose qui était arrivé avant même? Non. Le prophète voulait prophétiser, parler de quelque chose qui devait venir, qui viendra. Vous imaginez qu'il a utilisé un passé composé pour prophétiser? Il n'a pas employé un futur, mais un passé composé. Qui a reconnu à ce qui nous était annoncé, plus que parfait, était annoncé, parce que composé plus que parfait, pour quelque chose qui n'était même pas encore arrivé, que le prophète lui-même ne verra pas. Hein? Comme dit Jésus, le royaume est au milieu de... est au milieu d'eux, mais ils n'ont pas reconnu le royaume. Hey! Il est au milieu d'eux, mais ils ne l'ont pas reconnu. Mais qui a reconnu le bras? Hey! Qu'est-ce qu'on veut me dire là? Le bras, c'est qui là? Hey, le bras, hey? Le bras là. Non, ça commence, hein? Je ne comprends pas. Le bras. Laissez-moi prendre une autre Bible. Hein, je suis dans... Gardez Ésaïe 53. Je suis dans Jean 12. Jean 12. Hey! Jean 12, 37. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplit la parole que Ésaïe le prophète avait prononcée. Il avait dit quoi? Seigneur, qui a couru à notre prédication? Donc la prédication, c'est le bras. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous avez compris? Regardez, comparons les textes, s'il vous plaît. Si je mens, dis que je mens. Regardez Ésaïe 53, la première phrase du verset premier. Regardez Jean 12, le verset 38. Seigneur, qui accouille à notre prédication?
à ce qui nous était annoncé. Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Un, le bras, c'est la prédication. Le bras, c'est le bras du Seigneur qui a été révélé, qui l'a reconnu. Mais on m'a dit malgré tant de miracles, donc le bras, la droite, il peut faire des miracles. Hein? Donc, c'est-à-dire, le bras était venu. Le bras a accompli des miracles. Amen. Le bras, on n'a pas cru en lui. Le bras là, on n'a pas cru dans le bras parce que le prophète avait dit qui a cru. Pourtant, le prophète conjuguait au passé composé, au plus que parfait, pour parler de quelque chose qui était arrivé. Pendant ce temps, la chose n'était même pas encore arrivée. Même le prophète ne verrait pas cette chose-là. Et pourtant, il conjuguait au passé composé et plus que parfait. Donc, le bras, c'est la prédication. Le bras a été révélé. Le bras, c'est le bras du Seigneur. Regardez quelque chose de très simple, bien-aimé. Regardez Jean 12. On nous a dit quoi? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Mais le bras là, c'est le bras du Seigneur. Qui est le Seigneur? Ligue 2, 11, Jean 13, 13, 1 Corinthiens 8, 6. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Hein? Le Seigneur c'est qui? C'est Jésus-Christ. On nous a dit le bras du Seigneur. Éphésiens 4, 5, il y a un seul Seigneur. Mais c'est le bras du Seigneur qui a été révélé. Nous avons vu que le bras, c'est la prédication. Le bras, c'est un homme. Oh, non, je suis trop pressé. Ah, je vais trop vite. Attendez, attendez. Trop vite. Ne va pas trop vite. Ne va pas trop vite. Hein. À qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Donc, le bras, c'est le bras du Seigneur. Mais le Seigneur, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il y a un seul Seigneur Jésus-Christ. Et c'est son bras. Et Esaïe m'a dit quoi? Qui a couru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il y a un seul Seigneur. C'est le bras du Seigneur. Et Esaïe m'a dit, c'est le bras de l'Éternel. Qu'on a, maintenant, voyons voir. Le bras, c'est la prédication. Le bras, hein, c'est le message. Le bras, c'est l'évangile. Le bras, c'est la droite. Le bras, c'est la puissance. Le bras, c'est quoi? Voyons voir, c'est quoi le bras? Hein? Esaïe 53. Revenons dans Esaïe 53. Le bras. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Verset 2, Esaïe 53. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Oh! Le bras est une plante. Et le bras, et notez, le bras de l'Éternel est une plante. Notez, le bras est une plante. Je viens de vous dire que le bras, c'est la prédication. Le bras, c'est une plante. Hein? Comme un rejeton qui sort d'une terre de sécher. Ah, le bras est un rejeton. Ah, le bras est un rejeton. Descendons plus bas. Il n'avait ni beauté. Oh, le bras n'avait pas de beauté. Il n'était pas beau. Ni éclat pour attirer nos regards. Comment un bras peut avoir de beauté? Une droite peut avoir de beauté? Une droite, la droite, ne peut pas avoir de beauté ou pour attirer les regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Donc le bras, hein, était méprisé et abandonné des hommes. Qui est le bras? Homme de douleur. Oh, le bras est un homme.
Le bras de l'Éternel est un homme. C'était quoi notre question? Qui est le bras? Qui est la droite? C'était ça la question. Qui est le bras ou qui est la droite de l'Éternel? La droite de l'Éternel, le bras de l'Éternel est un homme. Le bras de l'Éternel, la droite de l'Éternel est un rocheton, est une plante. Le bras de l'Éternel est un homme. Le bras de l'Éternel, la droite de l'Éternel est un homme. Qui il est? Un homme. Il est qui encore? Le bras est une plante. Le bras est un rejeton. Le bras est un homme. Le bras est quoi encore? Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Oh, le bras qui a porté les souffrances, hein? C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le bras, hein? Le bras, hein? Le bras, mes bien-aimés. Et c'est par sa maître ici que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau. Oh! Le bras est un agneau. Le bras est une plante. Notez, le bras est un rejeton. Le bras est un homme. Le bras est un agneau. Le bras est la prédication. Hein? Qu'on mène à la bouche, à la boucherie. À une brebis miette devant ceux qui l'attendent. Le bras est une brebis. Le bras. C'est le bras de l'Éternel. C'est la droite de l'Éternel. C'est ce que nous venons de voir. Le bras. Est une plante. Est un rejeton, est un homme, est un agneau, est une brebis, est la prédication, le bras qui est tout ça, la droite qui est tout ça, la droite de l'Éternel, c'est une plante, c'est un rejeton, c'est un homme, c'est une brebis, c'est un agneau, c'est la prédication, la droite de l'Éternel. Mais là, quand on dit Jésus est à la droite de Dieu, vous comprenez quoi? Répondez-moi. Si la droite, c'est un homme. Si la droite, c'est une brebis, c'est un agneau. C'est une riche, c'est un rejeton. C'est une plante. Mais quand la Bible dit, la droite de Dieu, Jésus debout à la droite de Dieu, il veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Puisque Jésus lui-même, c'est la droite. Jésus est la droite. Je ne sais pas s'il n'est pas la droite de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Jésus lui-même, c'est la droite, il est assis à la droite. Hein? La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite est une puissance. La droite est une puissance. La droite est élevée. Oui, il est élevé. Il est plus haut que les cieux. Voyons voir. Est-ce que la droite est élevée vraiment? Il est plus haut que les cieux. Il est plus haut que les cieux. Laissez-moi voir ça. Il est plus haut que les cieux. Est-ce vraiment que la droite est plus haut que les cieux? Hein? Il est plus haut que les cieux. La droite est élevée. Ah, la droite est élevée. Mais je ne comprends pas comment la droite peut-il être élevée. Oh, il nous... Hébreux 7, le verset 26. Hébreux 7, 26. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est une puissance. La droite de l'Éternel est une force. La droite de l'Éternel est la droite de Moïse. La droite de l'Éternel est la droite de tous les serviteurs de Dieu. La droite de l'Éternel est
Tu ne pleures pas. La dot de l'Éternel est un rejeton. La dot de l'Éternel est un homme. La dot de l'Éternel est une brebis. La dot de l'Éternel est un agneau. La dot de l'Éternel, c'est la prédication. La droite de l'Éternel, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus à la droite de Dieu. Ça veut dire quoi? Si Jésus est la droite, il est à la droite de Dieu. C'est-à-dire Jésus est la puissance de Dieu. Jésus debout à la droite de Dieu, ça veut dire quoi? Jésus debout à la droite de Dieu. Jésus, Dieu, droite, puissance. Jésus à la droite, Jésus à la puissance de Dieu. Il ne peut pas être la droite lui-même. Oui, il est à la droite, puisque Moïse était à la droite. Qui dirigea la droite de Moïse? Qui dirigea la droite de Moïse? C'est l'Éternel qui dirigea la droite de Moïse par son bras puissant. Donc la droite de Moïse même a été dirigée par Jésus-Christ. Hein? Oh, quand vous lisez « Jésus est à la droite de Dieu », vous ne comprenez rien du tout. Vous voyez tout noir. Parce que vous ne savez pas que la droite, c'est Jésus lui-même. Il est à la droite, c'est normal qu'il est à la droite, parce qu'il est la droite lui-même, il est la puissance lui-même, il est l'autorité lui-même, il est... Hey! Non, mais non, non, bien aimé. La droite est un homme. Hey! Maintenant, remplaçons les prétiers. Si la droite est un homme, Jésus est debout à l'homme. Remplaçons droite par l'homme. Remplaçons droite par plante. Remplaçons droite par agneau. Remplaçons droite par prédication. Remplaçons droite par Jésus. Remplaçons droite par, par l'Éternel lui-même. Parce que la droite, c'est la droite de Dieu. C'est la droite de Dieu. Amen. Donc, Jésus est la droite lui-même. Il est le bras lui-même. Quelle bonne nouvelle de savoir que Jésus-Christ est à la droite. Oh, protestant. Oh, protestant d'église traditionnelle. Nous serions pris avec les protestants. Ah oui, les protestants, nous serions pris avec eux qui nous dit que Jésus est à la droite de Dieu, un petit garçon qui est debout à côté de son père, qui n'est pas lui-même. Et la droite, c'est Jésus lui-même, mon frère. Et c'est ce que nous venons de voir là. Maintenant, posez-vous la question, y a-t-il un Dieu qui est le Père et un Fils qui est Jésus qui n'est pas lui-même? Je vous dis, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que Jésus est. Jean 8, 24. Vous mourrez, vous périssez, vous périrez tous. Et quelqu'un qui ne croit pas que Jésus-Christ de Nazareth est le seul et l'unique vrai Dieu, il renie l'humanité. Il nie l'humanité. C'est quelqu'un qui est fini. Quelqu'un qui est péri, quelqu'un qui est détruit, quelqu'un qui n'existe pas, quelqu'un qui ne vit pas. Quelqu'un qui dit que Jésus-Christ n'est pas le Père, qui ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu. C'est un démon. Je ne dirais même pas démon, vous êtes pire que les démons. Parce que les démons croient qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Mais parce que si vous ne croyez pas que Jésus-Christ est le seul et l'unique vrai Dieu, vous périrez. Vous descendez en enfer sans escale. Parce que Jean 8, 24 vous a déjà condamné. Vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Dites-le, Jésus-Christ lui-même est la droite de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Et il est la droite de Dieu.
Jésus-Christ lui-même est Dieu et il est la droite de Dieu. Le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute la plénitude habita en lui. Il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute la plénitude habita. Jésus est le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute la plénitude habita. Jésus est le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute la plénitude habita en lui. Rends de grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Rendez grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il est le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute la plénitude habita. Que voulez-vous lire? Il est le premier né d'entre, et il est Dieu. Hey, en tout le premier, il est la droite, il est le bras, il est la prédication, il est le berger, il est l'agneau, il est l'homme, il est l'apôtre, il est l'amen, il est le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des Dieux. Hein? Il est tout. Oh, le premier né d'entre les morts, afin d'être en... nos cantiques sont très beaux, hein. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habita en lui. Oui, Jésus-Christ est Dieu. Il est le maître. Oui, Jésus-Christ est Dieu. Il est le créateur. Il est le bon berger. Le premier et le dernier. Il est le tout-puissant, le Seigneur de Seigneur. Oui, Jésus-Christ est Dieu. Oui, Jésus-Christ est Dieu. Il est le maître. Oui, Jésus-Christ est Dieu. Il est le créateur. Il est le bon berger. Le premier et le dernier. Il est le tout-puissant, le Seigneur des Seigneurs. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Oui, Jésus-Christ est Dieu bien-aimé. Il est le maître. Oui, Jésus-Christ est Dieu serviteur. Il est le créateur. Il est le bon berger. Le premier et le dernier. Il est le tout-puissant, le Seigneur des Seigneurs. Que louvez-le ou non, il est le tout-puissant, le Seigneur des Seigneurs. Si vous n'êtes pas d'accord, jetez-vous dans le lac. Vous n'êtes pas d'accord, jetez-vous dans la mer. Vous n'êtes pas d'accord, suicidez-vous. Vous n'êtes pas d'accord, pendez-vous. Vous n'êtes pas d'accord, buvez du poison. Suicidez-vous. Si vous n'êtes pas d'accord que Jésus-Christ est le seul et l'unique vrai Dieu. Il est, il le sera, et personne
ne peut faire le contraire. Il est. Il est. Il est. Donc, bien-aimés frères et sœurs. Alors, c'est notre cantique de Jean 1er, d'accord? Donc, bien-aimés frères et sœurs, si Jésus-Christ lui-même est la droite, Jésus-Christ lui-même est le bras. Mais s'il est à la droite, ça veut dire quoi? Regardez seulement cette phrase. Nous allons terminer parce que je conclue, hein, je conclue. Ok? Mais nous allons regarder quelque chose juste avant de partir. Et nous allons y mettre fin. Si toutefois quelqu'un a une question, pour qu'on puisse répondre. Ok. Non, dans acte 7, le texte a dit quoi? Hein? Il vit la gloire de Dieu. Jean 1er, verset 1er, qui est Dieu? C'est Jésus. Ok. Jésus est Jésus debout à la droite de Dieu. Prenons seulement cette phrase. La droite. Hein? Acte 7, le verset 55. La droite de Dieu. Seulement cette phrase-là. La droite de Dieu. Nous venons de voir la droite ici, le bras. Parce que dit la droite, c'est le bras, c'est la même chose. La droite ici, c'est qui? C'est Jésus, n'est-ce pas? Dieu ici, là, c'est qui? C'est encore Jésus. Donc, droite ici, c'est la puissance de Dieu. La droite de Dieu, ça veut dire la puissance de Dieu. Donc, Jésus debout à la puissance de Dieu. À l'autorité de Dieu. C'est-à-dire la puissance en tant que Dieu. L'autorité en tant que Dieu. Mais s'il est lui-même la droite, il est lui-même le bras, comment peut-il être à la droite? À la droite littérale. Comment vous pouvez comprendre ça littéralement? Oui, regardez sur le trône, la Bible a dit que Jésus est debout à côté de son Père. Alors vous allez être sauvés. Vous attendez l'enlèvement. Non, mais c'est une catastrophe, ça. Une catastrophe. C'est terrible. Soyez bénis. Nous nous arrêtons ici pour ce soir. Soyez bénis grandement. Si nous avons des questions, nous allons répondre à ces questions par la grâce de Dieu. Et avec nos bien-aimés qui sont avec nous, si nous avons aussi des questions, nous aimerions prendre le temps pour répondre à ces questions par la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que nous avons des questions? Oui ou non? Est-ce que nous avons des questions? Est-ce que tout le monde a bien compris? Tout le monde a bien compris? C'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous comprenez que Jésus-Christ est la droite, est le bras de l'Éternel? La droite même, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous avez compris cela? Soyez bénis, Sœur Janice. Soyez bénis, bien-aimé. Soyez bénis. Amen, amen. Sœur Magdala Abela depuis New York dit oui. Amen. Est-ce que tout le monde a compris que Jésus-Christ lui-même est la droite de Dieu? Donc, s'il est lui-même la droite de Dieu, il ne peut pas être debout à la droite de Dieu, littéralement. Parce que la droite, c'est Jésus lui-même. C'est la puissance. Parce que Jésus est une puissance. Eh bien, sois béni, Dadou, bien-aimé Dadou, sois béni, au nom de Jésus-Christ. Soyez béni, mes bien-aimés, soyez béni. Soyez béni. Donc, quand vous priez, recadrez vos prières pour savoir comment prier. Parce qu'il y a un seul Dieu, c'est Jésus-Christ, personne d'autre. Quand vous priez le Père au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire vous priez Jésus-Christ lui-même en son propre nom. Parce que le nom, c'est le mot de passe qui vous permet de communiquer avec Jésus qui est esprit. Donc, le Père, c'est pour dire esprit. Dieu, esprit. Jésus-Christ, c'est le nom du Père. Le mot de passe. Donc, ne dites pas que Jésus-Christ est debout littéralement. Il est à côté de son Père. Non, mais ce n'est pas normal, ça. Bon, il est lui-même la droite. Comment il peut être à ta droite? Puisque c'est lui la droite. Oh, la droite, c'est la puissance. Ok? Soyez bénis. Je vous aime. Je suis condamné à vous aimer. Nous nous arrêtons ici, par la grâce de Dieu, pour ce soir. Et prochaine fois,
Et j'avais dit que nous n'étions pas encore dans le Nouveau Testament, dans la grâce, la droite dans la grâce. Donc, dimanche prochain, à la même heure, même moment, eh bien, nous allons être dans la droite, non pas de l'Éternel, mais de Dieu. C'est la même chose. Sauf que dans l'Ancien Testament, on dit l'Éternel, ou bien, ah oui, on dit Dieu ici, là. Donc, ça veut dire, on change. Donc, nous allons prendre la droite de Dieu. Donc, la droite dans la grâce. Et nous allons voir, nous allons comprendre, puisque nous savons déjà c'est quoi la droite, qu'est-ce que la droite, enfin, nous savons déjà qu'est-ce que la droite, qui est la droite. Donc, c'est-à-dire, lorsque nous serons dans la grâce, nous étudions la droite, nous ne serions pas troublés et confus. Parce que nous savons déjà la droite, qu'est-ce que la droite et qui est la droite. Parce que vous devez savoir qu'est-ce que la droite c'est la puissance, qui est la droite c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que la droite c'est la puissance, qui est la droite c'est Jésus-Christ. Et quand nous serons dans la grâce, nous n'aurons pas de problème. Alors, il y a un bien-aimé qui dit si je suis là chaque jour. Non, je ne suis pas là chaque jour. Mais vous pouvez abonner pour recevoir la notification. Soit vous vous abonnez à nos comptes TikTok ou Facebook ou YouTube et vous aurez les notifications chaque fois que nous sommes en direct. D'accord? Soyez bénis. Soyez bénis. Donc, dimanche prochain, à la même heure, nous serons ensemble et nous aborderons le thème droite de Dieu dans la grâce. Nous venons de le faire dans la loi, nous allons le faire dans la grâce. Et par là, nous allons conclure, faire la conclusion finale par la grâce de Dieu. Je vous aime, je suis condamné à vous aimer et j'aime quand je vous aime parce que quand je vous aime, je me sens disciple. Donc, soyez bénis et nous vous remercions d'avoir été sur le fondement des apôtres au nom de Jésus-Christ. Bonne soirée à vous, mes bien-aimés frères et sœurs, sur Facebook, YouTube, TikTok. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.